Yves Calvi, RTL Matin. 3 minutes pour comprendre. 3 minutes pour comprendre à 7h16 si la fessée, c'est vraiment mauvais pour la santé. Bonjour Pierre Lévy-Soussan. Bonjour. Vous êtes psychiatre, psychanalyste, spécialiste de la protection de l'enfance. La France condamnée donc par le Conseil de l'Europe pour ne pas avoir interdit la fessée et autres châtiments corporels. La fessée est-elle une maltraitance ? La fessée, comment dire, n'a rien de... n'est quelque chose qui, à la fois, n'est ni assez sensible, ni assez spécifique de la maltraitance. C'est-à-dire que ce qui fait la maltraitance, ce n'est pas la fessée en tant que telle. C'est est-ce que cela organise un mode relationnel précis et sadique entre le parent et l'enfant. Là, ça serait de la maltraitance. Mais en tant que telle, c'est-à-dire isoler ça par rapport au châtiment corporel, ça risque justement de nuire à ce qu'on appelle la définition d'une vraie maltraitance. Donc ça peut attirer l'attention sur un faux problème et donc de ne pas voir quels sont les réels problèmes de la maltraitance où là pour le coup en France on est véritablement aveugle vous à la maltraitance. Vous nous dites quoi ? C'est on ne peut pas assimiler la fessée à une maltraitance quand dans notre pays il y a des violences faites aux enfants qui sont beaucoup plus graves. J'essaie de bien vous comprendre. C'est-à-dire que c'est un... Et qui doivent elles être dénoncées ? Oui, c'est-à-dire que on a un vrai problème en France avec la loi de 2007 de la protection de l'enfance qui ne protège absolument pas les enfants. C'est-à-dire on a le mot maltraitance, par exemple, dans la loi de 2007 n'est pas prononcé une seule fois. Donc ça, c'est un vrai problème. J'aurais voulu que la France se fasse condamner pour une loi absolument pas adaptée, justement, à la protection de l'enfant et au châtiment corporel. Focaliser les choses sur la fessée, pour moi, c'est un faux problème. C'est-à-dire c'est quelque chose qui peut apparaître à un moment d'une façon ponctuelle entre parents et enfants, et ne absolument pas correspondre à de la maltraitance et à des châtiments corporels réguliers. Beaucoup de grands pays européens l'ont aboli, la condamnent, nous reprochent de ne pas le faire aujourd'hui. J'entendais la pédiatre Edwige Gentil expliquer que la fessée avait été abolie très tôt en Suède, et que les prisons suédoises étaient quasiment vides. En gros, elle fait le lien entre si vous êtes violent avec vos enfants, et bien ils le seront dans leur vie quotidienne ensuite. Alors, répondez-vous à ça ? C'est un argument, hein ? Oui, que la fessée ne soit absolument pas adaptée à quelque chose d'éducatif avec l'enfant, bien sûr. C'est-à-dire la fessée n'est jamais une bonne solution à un problème qu'a un parent avec un enfant. C'est un échec de l'autorité parentale ? C'est un échec de l'autorité parentale par le fait que le parent est débordé et montre à son enfant qu'il est débordé. Voilà, parce que souvent la fessée, elle tombe au moment où on pète les plombs, enfin qu'on ne tient plus. Voilà, mais simplement faire judiciariser ce pétage de plomb d'une façon ponctuelle me paraît passer à côté du vrai problème qui est le fait qu'on est véritablement aveugle au problème de maltraitance. Et lorsqu'on essaye de faire remonter des problèmes de maltraitance, comme dans l'histoire de la petite Marina, etc., on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'il y a un véritable aveuglement à la maltraitance lourde et grave. Et là, c'est un vrai problème. Même chose pour les violences sexuelles. On n'arrive pas non plus à faire remonter les violences sexuelles. On remet parfois des enfants à des parents alors qu'il y a eu des violences sexuelles. Donc, pour moi, le problème est totalement à côté en se focalisant sur le problème de la fessée. Diriez-vous, c'est le point de vue du psychiatre que j'interroge, que si elle est administrée dans un cadre éducatif, elle est acceptable et elle est un outil pédagogique. Je vous parle toujours de la fessée. Je ne pense pas qu'on puisse faire d'une violence ponctuelle un outil pédagogique. Ça, c'est clair. C'est toujours un échec de la parole et en tant que tel, on ne doit pas montrer à l'enfant que l'on ne sait plus parler et que l'on est débordé. Maintenant, c'est quelque chose de ponctuel qui peut arriver. Si on commence à se focaliser l'attention là-dessus, ça sera au détriment de voir quelle est la vraie maltraitance. Vous restez avec nous, Pierre Lévy-Soussan. On va donner la parole aux auditeurs d'RTL qui nous appellent ce matin au 3210 pour réagir à tout ça. On va commencer avec Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Yves Calvi. Que vouliez-vous nous dire sur cette question de la fessée ? Je voulais dire que moi j'ai 64 ans, j'ai eu 3 enfants, j'ai 6 petits-enfants, j'ai pris quelques claques sur le derrière, j'ai pris une gifle à 18 ans, celle-là je m'en souviens, mais je n'en suis pas morte. Et moi je trouve que quand on met une tape sur les fesses à un gamin, ou même encore une tape sur les mains ou tout ça, je pense pas qu'il y ait maltraitance, parce qu'il y a beaucoup d'autres maltraitances et qu'on ferme les yeux. Alors là, je vois pas qu'on veuille en venir à interdire fessées, gifles et tout ça, parce que je pense pas qu'il y ait drame là-dessus. Est-ce que nous on considère souvent comme une petite fessée sans caractère dramatique n'est pas le début de gestes qui peuvent être plus violents ? C'est finalement la question qui nous est posée. Moi je sais pas, mais j'ai 64 ans. Des fessées,
je m'en rappelle pas énormément, donc j'en ai eu quand même, je suppose. Mais vous voyez que ça m'a pas trop marqué. Mes enfants, mes trois enfants, ils en ont eu quelques-unes quand il y a eu quelque chose. On les a punis autrement, fermement, sur d'autres sujets. Oui. Mais des fessées, ils en ont eu tout pareil, mais pas non plus à répétition. La preuve, ils sont pas maltraités, ils ont bien élevé leurs enfants et tout ça. Non, moi là, je vois pas lieu, comme tout à l'heure on me demandait s'il y avait envoyé quelqu'un au tribunal pour une fessée. Là, je comprends pas, parce que il y a des tas d'autres violences sur la route, sur l'alcool, sur tout ça, et qu'on s'est pas puni. Anne-Marie, alors, oui, vous êtes très claire, vous savez ce qu'on va faire, on va donner la parole à Yvanne aussi, qui elle nous appelle de Moulins dans l'Allier, et qui est favorable à cette interdiction que nous demande le Conseil de l'Europe. Bonjour, oui. Yvanne, dites-nous pourquoi. Bonjour, Calvi. Oui, moi je suis tout à fait pour, parce que moi j'étais une enfant maltraitée. Maltraité, ce qui s'appelle maltraité. Heureuse à vous, hein, madame, qui vous n'avez pas connu ça. J'ai deux enfants et eux, j'interdis à quiconque de les toucher. Quel que ce soit, il y a des méthodes pédagogiques pour leur faire comprendre. Un enfant comprend très bien ce qu'on lui dit. Un enfant écoute. Il suffit de lui apprendre le pourquoi qu'il faut pas. C'est tout. Pas besoin de frapper. Ça sert à quoi de frapper? Yvan-Pierre Lévy-Soussan, qui est avec nous, nous disait il faut qu'on fasse la différence entre la fessée, même si on n'est pas là pour la promouvoir, et la vraie maltraitance dont, visiblement, vous avez été victime, Yvan. Vous comprenez? Il y a, oui, y a un degré. Oui. Non, mais même la fessée, ça marque aussi. Faut pas dire non plus. Ça marque parce qu'on ne sait pas le taux. Un adulte, ça a de la force. Un enfant, ça quoi? Ça n'a pas de force. Quand il reçoit la fessée, vous savez les marques qu'il a? C'est quoi pour vous? C'est, oh, ça va passer. Ça va passer. Et vous pensez que dans sa tête, ça va passer? Pour de bon? Merci beaucoup, Yvan, de nous avoir appelé pour témoigner de votre propre expérience, puisque vous nous avez dit que vous-même, vous aviez été victime de maltraitance. Merci beaucoup, Pierre Lévy-Soussan, d'être venu nous voir ce matin pour faire le point sur ces questions. On se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de réactions dans l'actualité que les auditeurs d'RTL nous appellent au 3210. Ils peuvent continuer à le faire, bien entendu, pour débattre de cela toute la journée. Merci d'être venu nous voir. Merci.